We are back in Dijon, and today we are going to go visit the Foire de Dijon, and more specifically, the Cabane à Mario. It's a group of Québécois that have come here to show off some products from Quebec and from Canada. Oh, there goes the tram. All right, let's go inside and check out the Foire. Des Québécois. Oh, ce qu'ils boivent? Oui, qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent des Québécois. Du whisky. Et les Français aiment ça? Oui! Attention, ça nous prend les mains pour le solo de prière avec notre bon vieux dame. Attention, le légendaire Daniel, ça prend les tapes de main. Ok, on tape dans les mains. Dijon, tu tapes dans les mains avec les cuillères. Je suis avec mon ami. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Marjolaine. Tu viens d'où, Marjolaine? Je viens de la belle ville de Baie-Saint-Paul, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, pas loin de Québec. Et pourquoi tu es ici en France? Je suis ici en France pour promouvoir la culture québécoise et vendre des produits de l'érable avec la Cabane à Mario. OK. Et puis, qu'est-ce que vous vendez exactement? On vend des alcools québécois, on vend évidemment du sirop d'érable, on fait de la bonne poutine aussi, tout ce qui est québécois et qui est recherché par nos amis français. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu des produits qui sont populaires ici? Avec plaisir. Oui, OK. Ouais. Il faut commencer par le sirop d'érable, très important évidemment. Alors, on fait déguster à nos amis français pour voir la différence entre un vrai sirop d'érable et un sirop d'érable acheté à l'épicerie. C'est pas pareil. Ensuite, des grands vendeurs aussi, les pâtes à tartiner ici à l'érable, les caramels, les fameux biscuits feuilles d'érable qui sont nos biscuits depuis notre petite enfance. Ici, la sauce poutine. Les whisky à l'érable, le sortilège Prestige, un très très bon whisky à l'érable, sortilège et liqueur de whisky à l'érable, les produits Morbleu qui sont des rhums qui sont excellents, Chic Chic aussi, le cidre de glace qui est particulier au Québec, qui est fait avec la pomme qui est gelée. Et Marjolaine, quelle sorte de réaction qu'il y a quand les Français voient les vrais Québécois ici dans la foire? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu peux rencontrer une histoire ou quelque chose? Ah, ben les Français sont toujours contents de nous voir, de nous entendre parler. Et il semble qu'ils ont l'impression d'entendre Céline Dion quand je parle. Mais je leur dis, attendez, si je chante, vous allez voir que je ne suis pas Céline du tout. Merci, bonjour. Fait plaisir.